Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode numéro 3 de The Genius Of. Et cette fois-ci, on s'attaque au style de Guthrie Govan, dans un style lui-même Robin Ford en fait. Donc la chanson s'était basée, je crois, sur Help the Poor de Robin Ford, donc en tonalité de ré mineur. On attaque tout de suite avec la première phrase. Donc notez bien le départ rythmique qui est sur le E du 2 et la petite appoggiature slidée en fait. Hein, qu'on a moins l'habitude, je trouve, de faire dans ce sens-là en fait. Hein. Ensuite, donc là je l'ai noté un peu comme une note morte, là, cette note-là, le ré là. Vous pouvez la jouer, mais en fait elle est suggérée, hein, plus que vraiment jouer, mais enfin, en tout cas c'est mon avis. Donc on a... Et le bend ici est un peu tardif. Hein. Après c'est là que ça se corse un petit peu. Mesure suivante, on va démarrer sur la deuxième double croche du troisième temps avec cette phrase. Ok, et là déjà rien que ça c'est très intéressant, le mouvement contraire de slide. Et finalement il attaque la phrase par une note qui pourrait être fausse en fait, hein, qui est la blue note, mais qui est stabilisée par la quinte de l'accord d'arrivée du ré mineur. Et analyser les phrases, c'est ça qu'il faut faire, hein, les gars, parce que sinon vous comprendrez pas qu'est-ce que ça veut dire en fait. Hein. Donc faites-le vous-même, là je vais pas le faire, ça serait trop long sinon, mais moi je l'ai fait et ça a été bénéfique pour moi, donc je vous encourage à le faire. Donc en tout cas, ce mouvement contraire est très sympa à faire. Ensuite, pareil, on vient reslider. Hein. Le génie de Guthrie Govan, je trouve, c'est dans la façon dont il connecte les positions, et notamment avec les slides. Là, on a une série de pull-off. Hein. Et articulez bien, souvent les liaisons, encore une fois, arrivent la plupart du temps vers le temps, comme dans le lick précédent. Donc un peu lentement, cette phrase-là. Donc jusqu'ici on arrive au slide en fait, hein. Et après on va récupérer encore un pull-off et ici une harmonique artificielle, hein. Donc ça c'est super, et après regardez bien la phrase qui suit. Ça, c'est pas facile à faire parce que déjà il y a un slide assez long. On enchaîne avec un hammer. Faites le pas aussi dégueulasse que je viens de le faire. Vous voyez ? Ça aussi, c'est beaucoup de choses qu'il fait aussi, je trouve. Vous voyez, des roulés de doigts comme ça, et il est tellement habile qu'il arrive à le faire sur tous les doigts en fait. Hein. Même le petit, sur certaines phrases que j'ai repiquées, il arrive à faire des plats du doigt avec le petit à des vitesses incroyables. Et pourquoi il fait ça? Parce que ça lui permet d'économiser énormément de mouvements, et c'est pour ça qu'il est aussi virtuose aussi, je pense. Et après, en bonus, je vous laisse un petit peu le... Vous voyez ce truc là qui fait après sur le plan un petit peu altéré là, c'est sympa. C'est génial comme phrase quoi. Donc j'ai pas tout noté parce que ça vous encouragera peut-être à essayer de repiquer aussi la suite quoi. Bon, voilà, je vous laisse peut-être un petit bonus quelque part dans la vidéo, je sais pas trop où, et puis en tout cas je vous affiche bien sûr la table comme d'habitude. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à faire vos suggestions et vos commentaires pour que je traite peut-être un autre leak la prochaine fois. Salut, merci encore à tous les abonnés, ciao.